insurgés, puis c'est ce qu'on entend sur le plateau. Oui. Vous êtes d'accord avec ce côté binaire ou c'est plus compliqué que cela? C'est très compliqué du fait de l'agrégation de tout le monde qui est là, c'est évident. Mais en substance, c'est ça. Ces deux camps qui s'affrontent. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'ils se préparaient quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but? Excusez-moi, dans quel but? L'idée de le renverser dans Bachar, c'était quoi le but, vous dire, la finalité? Le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit... On essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Frédéric